dans cet amendement, nous proposons de prolonger l'article, l'esprit de l'article 1er de ce projet de loi en égalisant le droit du séjour de plein droit pour la cellule familiale de toutes celles et tous ceux bénéficiant d'une protection internationale, telle que la reconnaissance du statut de réfugié, d'apatride ou la protection subsidiaire. Comme le gouvernement le reconnaît dans l'étude d'impact du présent projet de loi, le droit européen laisse toutefois aux États membres la possibilité de délivrer des titres d'une validité supérieure pour la protection subsidiaire et les apatrides. Alors pourquoi le gouvernement souhaite-t-il pérenniser une distinction entre ces trois statuts? Nous estimons qu'ils sont porteurs d'un même besoin de protection internationalement reconnue et consacrée. En outre, ces réticences sont, de notre point de vue, peu tenables, alors même qu'il n'y avait en décembre 2016, sous la protection de l'OFRA, que 1370 apatrides, 30 000 bénéficiaires de la protection subsidiaire et un peu moins de 200 000 réfugiés statutaires. Nous estimons que ces trois motifs de protection, reconnus et accordés par la France, doivent relever le même traitement et que ce régime doit donc être harmonisé sur celui des réfugiés, la carte de résident de 10 ans. Comme le dit le projet de loi dans ses propres exposés des motifs, le but de cet article 1er est justement d'harmoniser le droit existant, indépendamment de la nature de la protection accordée à la personne protégée. Nous proposons donc dans cet amendement d'assumer pleinement cette logique. Bon, je vais quand même mettre cet amendement aux voix, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Amendement.